Raphaël Luxman. Et moi, je voudrais revenir sur un autre point parce que je pense qu'il y a euh, le suicide français, le destin français il y a un fil rouge et une quête qui n'a plus rien à voir avec l'histoire, qui est une quête idéologique et politique présente. C'est aujourd'hui, quand on vous lit, on comprend votre objectif actuel. C'est-à-dire, vous avez dans le suicide français, et là, vous reprenez de manière encore plus détaillée, euh, cette idée qu'il faut impérativement réconcilier. Pétain et de Gaulle. Vous dites, dans le suicide français, c'était marquant, à chaque fois c'était « seulement », enfin l'adverbe qui accompagnait, la différence c'est « seulement », et là vous nous dites « ils font partie de la même famille, c'est la même famille ». Et donc ce que vous voulez faire là, c'est pas du travail d'historien, là c'est du travail politique, ce que vous, ou métapolitique comme vous voulez. Ce que vous voulez faire, c'est effacer à tout prix cette grande fracture qui divise les droites euh, françaises. Vous voulez impérativement nous expliquer que le 18 juin 40, c'est finalement pas si fondamental que ça, que en réalité, entre Pétain et De Gaulle, il y a quelques, et, euh, quelques différences d'appréciation de la situation, mais qu'il n'y a aucune différence fondamentale. En faisant ça, eh bien vous niez ce sur quoi la droite républicaine s'est fondée, c'est-à-dire la rupture avec la droite anti-républicaine avec l'antisémitisme, le, le, avec euh, l'État français et avec la nostalgie d'abattre euh, cette gueuse qu'est la République. Enfin, Zemmour Luxemman, hein. Vous m'avez très bien lu. Hein et et oui. je suis... J'assume tout, que tout ce que vous vie vie avez dit. Non mais attendez, je, je, je peux répondre quand même. J'assume tout ce que vous avez dit. Et je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque vous, vous, vous me prêtez une intention que j'assume. Prêtez-moi aussi de la bonne foi. Je vais vous dire pourquoi. Parlez bien dans le micro, Eric Zemmour. Excusez-moi, c'est compliqué parce que pour oui. regarder, moi j'ai tendance à regarder mon interlocuteur et on ne peut pas parler dans le micro. Pardonnez-moi, Raphaël Gussmann, vous allez regarder regarder. Euh... Survivrez. Euh, J'en doute pas. Euh... Oui, d'abord, quand vous me dites que j'ai un, une, une idéologie et une un objectif politique, oui. Est-ce que vous... Mais quand, là, là où vous avez tort, selon moi, quand vous dites vous ne faites plus de l'histoire, est-ce que vous croyez que les historiens aujourd'hui n'ont pas d'objectif idéologique et politique Ils en ont tout autant. Donc, et, et, et quand ils il creusent cette, ce, ce, cette séparation entre Pétain et De Gaulle, quand ils font de Pétain un monstre et quand ils font un, de De Gaulle un dieu, ils ont un objectif politique que vous avez déterminé, briser, la, le, la, 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 briser les deux droites. Non. ça c'est un assez... ça... acte acte d'une rupture que vous voulez non. effacer non oui je veux l'effacer parce que c'est la gauche qui l'a inventé mais vous voulez effacer le 18 juin 40 c'est la gauche vous vous qui l'a inventé, a inventé que vous parce vous que ça vous arrange mais non vous vous rendez compte que vous ça vous arrange parce mais ça que avait... la droite est divisée ça a même la, même la droite au pouvoir pendant des non, années non pas du tout mais si ça arrange pas la gauche ça arrange la France non pas du tout ça arrange la République ça met la droite dans la main de la gauche c'est toujours la même stratégie le 18 juin 40 laissez-moi finir ça met la gauche la droite dans la main de la gauche et ça permet à la gauche de dire toi, tu es du bon côté, tu es la droite républicaine. Toi, tu es du mauvais côté, tu es pas de la droite républicaine. Mais, Mais ça, Raphaël comment Lusman, il des faut que ça gaullistes peuvent vous lire Mais Comment des gaullistes les... peuvent vous Mon lire Cher Raphaël luxman le vous expliquez que, que vous dit, vous je parle en même temps, messieurs. Alors, je finis parce qu'il faut aller plus loin. Vous expliquez que le 10 juin 1940 est fondamental. Vous savez, oui. vous savez qu'il y avait à Londres après le 10 juin que des types de l'action française. Non, c'est pas vrai. Ah, mais non. Il y avait des juifs et il y avait que mais les types de l'action française. Mais non. Il y avait des gens de l'action française. Il y, 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 y avait Mais il y, si y avait des républicains espagnols. Non, Il y avait des républicains. C'est faux. Mais si c'est vrai, ce n'est pas en hurlant que vous emporterez la conviction. Non. C'est faux. Il. C'est faux. Il y avait. Mais lisez Epstein et vous comprendrez tout. Alors Vous allez me prendre sur et chapitre. Alors arrêtez. Zemmour, beaucoup de gens de l'action française Il y avait qui sont essentiellement venus genre, qu par Patriotisme Merci. et avec l'idée que la nation ouais. était envahie et qu'il fallait la défendre. Mais il n'y avait Juifs pas que ça. Qui pensait des Nathan Juifs le même mal que pensaient des Juifs à Vichy. Et qui ont évolué et qui ont compris leur erreur pour certains. Non, non, non c'est plus certains compliqué que ça. Raconté. Ça c'est ça C'est l'imaginaire mais... de gauche et... qui. Non, non, ce n'est mais... et... qui... pas. Ce n'est pas l'imaginaire de gauche. Ce n'est pas l'imaginaire de gauche. Et en effet, non, les collabos, ce ne sont pas que les gens de gauche. Les collabos, c'est les gens de gauche. Oui. Les des collabos, c'est les en gauche, oui, mais monsieur, il y ait une gauche je il y une gauche collaborationniste, bien sûr. Monsieur, on mais simplement, il y a rien. une différence fondamentale c'est pas la gauche et la droite. La différence fondamentale, c'est est-ce qu'on choisit le parti de la résistance et de Londres ou est-ce qu'on choisit le parti de la collaboration Et vous voulez effacer cette différence monsieur, fondamentale Mais c'était complémentaire. Mais c'était complémentaire. Mauriac l'a dit lui-même Mauriac, c'est pas, pas un fasciste. Il a dit lui-même De gauche s'occupait de la France et Pétain des Français. Donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand vous avez dit il n'y a pas les Français, il y a la France. Natacha Polanyi. Ce n'est pas exactement dans ce sens-là et vous le savez très bien Eric Zemmour et même pas ah, Si j'ai pas le droit de vous taquiner. Non non, vous avez parfaitement le droit de taquiner. Simplement en revanche, euh, il ne faut pas tordre les, les les idées et les réalités historiques et surtout euh, il ne faut pas euh, oublier que cette différence entre de Gaulle et Pétain non, elle n'a pas été forgée par la gauche, Eric Zemmour. Non, ça c'est dans votre construction non, intellectuelle, c'est une réflexion qui traverse Aujourd'hui, encore, aujourd encore la pensée politique. Pourquoi Parce que justement, le clivage n'est pas forcément entre la gauche et la droite, la méchante gauche dont vous parlez, et la droite qui pourrait vaincre la gauche. C'est pas ça du tout. Les réflexions que nous devons mener aujourd'hui sont celles qui concernent justement l'articulation entre individuel et collectif. Comment on recrée du collectif dans une société individualiste La question de l'articulation entre le peuple, la nation, la patrie et tous les enjeux qui peuvent aujourd'hui attaquer cela, et en niant la différence entre De Gaulle et Pétain, en niant la, le, le caractère fondamental de ce choix du 18, du 18 juin 40, en fait, vous effacez tout cela pour construire une espèce de fiction de débat entre la droite et la pas gauche, du tout, gauche. Pas ce du qui n'existe absolument pas. Du pas du tout, pas du tout. Éric Zemmour. De Gaulle lui-même, dans les années 50, il n'est plus au pouvoir, il est à Colombay dans son, dans son traversée du désert. Il dit à Mauriac, père, devant Mauriac, fils, qu'il le raconte. Il lui dit, il y avait deux résistances. La nôtre, en parlant évidemment à François Mauriac et de lui, qui était nationale. Et la résistance de la gauche, qui était contre Vichy. Et il ajoute, remarquez que cette gauche n'attaquait Pétain que pour ce qu'il avait tenté de restaurer l'État. Tout est dit. Non, mais... non tout n'est pas Excusez dit. Excusez-moi, justement. Tout n'est pas mais dit. On si. peut ajouter ce que et le nouveau si. disait de Pétain, travail, famille, patrie. Il n'a jamais, il a jamais travaillé, travaillé, il a valu famille. Il a vendu la patrie. Il a vendu la patrie. Je ne me connais pas la Je sais que vous connaissez, mais vous l'occultez. Non, je ne l'occulte pas du tout. Je dis simplement que c'est comme le roman que je cite de Mérimée, que j'aime beaucoup, qui est chronique. Chronique du règne de Charles IX pendant les guerres de religion et qui explique, qui raconte la vie d'un protestant qui se convertit au catholicisme et qui finit par s'étriper ouais. avec son frère et il se tue. C c pour ça, c'est Pétain et De Gaulle, c'est ça. C'est-à-dire que les, ils ont fait des choix différents qui étaient au départ complémentaires, je pense, même dans leur tête, Mais... c'est-à-dire le glaive et le bouclier. Pétain protège les Français et sauve les éléments. Mais... Fondamentaux de la France. Parce que ce que vous oubliez à chaque fois, c'est que la France était au bord de ce que Pétain lui-même appelait la polonisation. C'est-à-dire le partage, la dislocation. Sans... C'était la terreur des élites françaises. De Gaulle, elle aurait été et qu'il te... bon. tente de faire comme les Prussiens ont fait en 1806 après la défaite d'Iéna face à Napoléon. C'est-à-dire vous... céder, se soumettre aux vainqueurs, parce qu'on est bien obligé, et reconstituer ses forces pour prendre vous, sa revanche vous, vous, après. Voulez,